bien bon retour sur chaîne là. OK, je dis à nous pas le faire un poulet encore. On poulet en bafou mais nous pas le faire l'autre genre que dernière fois on fait poulet en bafou et là c'est blanc poulet nous pas l'utiliser. OK, mais comme si nous voulons, c'est une recette coupée douette. OK, bon, qui va pour monter faire régime dans comme yo mais il n'y a pas que des abonnés qui suivent un régime amaigrissant sur cette chaîne. Donc, nous, bah, tout le monde a besoin. OK? Salutations et remerciements spéciaux à nos abonnés et aussi à nos membres. Alors, ou même si vous avez des chaînes pour la première fois, songez à abonner et puis souvent mes vidéos, bah, mon pouce bleu en l'air comme ça. Et puis, invitez votre ami, famille, venez abonner. Ok, si vous même moi vivez une même chaîne dans tout, ou non affiché là avec gros maïsayo, eh bien, vous cliquez sur le bouton join qui en bas vidéo ça, ou bien en bas n'importe autre vidéo qui sur chaîne là. Ok, et puis vous choisissez un plan de support, nous gagnons à peu près 6 plans de support. Vous choisissez en fonction de budget, en fonction de générosité, en fonction de moyens. Okay? Ou bien, souvenez-vous qu'il y a toujours vos contributions en tout par PayPal dans gaspardorinia@gmail.com ou bien, si c'est en Haïti, ou qu'à faire par mon cash. Oui, par mon cash dans 36 72 25 58. Ok, pour nous allons présenter ensemble ingrédients avec matériel que nous allons utiliser pour nous faire blanc poulet ça en bafou de façon spéciale. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ça s'est mis en place pour nous le préparer blanc de poulet façon spéciale ça. On a utilisé pour recette ça un livre et demi blanc de poulet que nous racheter en petit morceau comme ça. OK. Là nous gagnons 2 tasses crème fraîche, nous gagnons crème fraîche légère avec crème fraîche épaisse. C'est-à-dire ça liquide avec ça qui pèse. Et tous les deux mélangés ensemble. Mais vous n'êtes pas obligé de gagner tous les deux ou de gagner une ou l'autre. Mais si vous avez gagné crème fraîche épaisse, ça pas encore mieux. Et vous avez besoin de acheter dans la maquette ou de gagner en anglais, dire les heavy cream. Là, nous avons une tasse fromage mozzarella râpé. Mais ça, c'est pas chaleur. Et puis, il vient du. Voilà. Là, nous avons tout environ 100 grammes. Fromage mozzarella râpé. On a utilisé pour quantité de viande, nous avons 3 œufs. Nous avons un petit point coriandre que nous avons utilisé dans la fin de la recette. On a besoin de tout un poivron rouge que nous avons gagné dans la mise en place. Là, mais on a besoin d'un gros poivron rouge. Là, nous avons un oignon violet que nous coupons en petit dé avec food chopper. Lien dans la description. Si on veut un food shopper, il faut toujours cliquer sur le lien dans la description en bas vidéo pour le commander par là. Nous avons un demi tiki sel, un tiki oignon en poudre, un tiki l'ail en poudre mélangé avec persil séché, un demi tiki poivre en poudre, un demi tiki gingembre en poudre, un tiki curry en poudre. Yon tiki est paprika. Paprika c'est poivron rouge en poudre. Et puis là on a un tiki est oregan ou bien oregano en anglais ou bien en espagnol. On a besoin de moule comme ça, on a besoin de saladier comme ça pour faire mélange. Voilà, c'est ensemble ingrédients ça yo avec matériel ça nous va utiliser pour une cuite blanc poulet façon spéciale ça. M'a souligné pour nous, il va le cuite en bafou.
commencer par casser genou yo. Je vais faire une déballement pour casser les yeux. Il ne faut pas toujours casser les yeux. Dans le même bol là aussi, il y a un qui gâte. Ça me fait un assaut d'imprudence. Mais comme je suis sûr que mes yeux étaient des yeux frais, il y aura un bolet. Je ne peux pas faire des yeux avec mes balles. Pas qu'à bailler comme si le temps pour les yeux a fini de tomber. Comment? Pas qu'à bailler le temps pour les yeux a fini de tomber. Puis il faut avec nos profils là, oui. Ah, ok. Ok. Avec feuille noire, une batte d'œufs. Où est-ce là? Non? Ok. Maintenant, crème fraîche là, bien crème fraîche. Légère et crème fraîche épaisse là. La pédale là. Bien, nous, on a besoin de tout ça. C'est ça. T'as deux comptes. Ok. Et bien, pas de l'autre bagage, non? Que vide pour la ladane. Viens pour la qui m'a découpé. Viens pour ça, on va besoin d'y entrer en pile. N'y n'a pas ces citrons là-dedans. Ok. Ok. Et bien, on a mettre son yon, lâché noir. On va couper un petit dé. Mélanger. Ok, fromage là. Pratiquement de la gel encore. Rapide encore parce que lui. Il fait boule, il était pour chaleur, il était prêt à mettre dans la fusée des MTH là. Donc, du. Passer dans la graisse là. Ok. Mélanger encore. Parce qu'il y a un fromage là-dedans, on va mettre un peu de sel. Ça va bleu compte. Ok, là nous avons l'ail en poudre, enfin nous avons oignon en poudre, nous avons l'ail en poudre avec mélange avec persil séché, nous avons poivre. Bien, on met tout. Là, il y a un demi qui est gingembre en poudre. Alors, pour question épicio, it's up to you. Je vais mettre l'autre épice que ça mette au bien ou pour soubager tout ça m'y en a eu. On va mettre ça au joint. Là, c'est un petit qui est curry en poudre. Là, c'est origan, oregano, séché, déshydraté. Et là, il y a un petit qui est paprika. Ok? Eh bien, nous mélangeons. Ok, goûtez le moins contre sel. Ok, en tout temps, pendant, avant de commencer l'opération, ça, mettez l'humain fou, donc la chauffer là. Ok. Et bien maintenant, je viens de constater là, c'est une recette qui est préparée bien rapidement. On a versé, mélangeons dans la moule là. Ok, maintenant l'autre fromage, environ 100 g de fromage mozzarella de gagner. Voilà.
3 semelles nettes. Nous mélangeons. Hein. Ok, je me dis que j'ai besoin d'un poivron rouge. Alors, je me dis que là, c'est pour un contraste avec la plus bien sautée rouge là. La mélange de gain. Est-ce que vous avez un rouge ou que vous pouvez utiliser un vert? Bien là, contraster autant. Yeah. Et jaune là, pas contraster. Yeah. Ok. Après. On va placer le poivron comme ça. À Noël, on va mélanger rouge et vert. Bien, yeah, justement. Oui, on va alterner. On va avoir les couleurs de la Noël. Exactement. You're right. C'est pour vous qui connaissez Abdi. I know I'm right. You have to go study. I don't need to study. You have to study to be smart. Yeah? Okay, what's it going by? I'm already smart. Hey, hey, black bitch, smart, Louis. Ça va faire là. Ça va tenir cette là. Bon, voilà. Eh bien, on va mettre la foie là à 250 degrés pour à peu près 45 minutes. Son fou tête pas droite, vous mettez tête droite, la main est plus qu'une tête dans là. Ok, donc résultat, on va regarder là son résultat. Ok, de plus de 60 minutes, mais normalement, si votre four fonctionne bien, 45 minutes devrait suffire. Donc, si j'aime des gants coriandre, eh bien, dit finement haché, eh bien, ça m'a fait, c'est juste parsemé sous la noix, comme ça. That's all. Ok, à quoi me dit ça à son poulet? C'est pas trop comme des fêles. Donc, voilà, c'est une autre façon de manger du blanc de poulet. Et moi, c'est bon. La goûteuse va confirmer tout à l'heure. Si tu avais placé ça, comment ça me l'a dit, nous sommes poulets, nous sommes poulets. Eh bien, son poulet. Qui cuit en bas fou et qui très bon, ok, très bon, pas de doute dans ça. Goûteuse avant lui confirmer bon. Quand la Léonard caméraman goûteuse et quoi encore. Jean-Yves. Salut tout le monde. Oui, mon qui fait qui dit la clé clé mon argent ouais là ouais. C'est goûteuse là, c'est caméraman là. Ouais, c'est elle qui fait tout. Ça va, Mimi?
Non, c'est pas fini. Tu peux entrer et fermer et on va t'appeler tout à l'heure. Si assaison mon environnement dans bouler à d'abord. Mais sinon c'est bon. Moi j'ai pris du risque et je savais ce que ça allait. Et puis tu faut mal en l'air tout. Et derrière ça. Donc le mettre épicieux dans liquidité etc. Et puis le cuit la donne de toute façon hein, ce oh, sera transmis dans la viande. Poulet justement bénéficier tout goût et puis se mettre bien. C'est bon. Vraiment, oh. Bon, manger la veuve. On va goûter même pas manger, non? Bon, et bien, on va le chuter. T'as besoin de la veuve? Non, on va goûter quand même. On va pas le manger, Owen. On va goûter. Ok, on va pas manger, non? On va goûter quand même, Owen. Parce que Owen, même dans les signes là, on a qui fait le fromage, puis le crème fraîche. Mmh. Un autre part, non?